Donc aujourd'hui, je vais vous parler test. Alors ça a bien commencé la journée avec David Evans, qui dit des choses très intéressantes. Puis c'est quelqu'un que je suis et que j'admire particulièrement. J'avais préparé ma présentation avant de voir la sienne, hein, évidemment. Je n'ai pas fait mes slides pendant sa presse. Vous allez voir, il y a quelques éléments qui se recoupent. Donc je vais essayer de ne pas vous les redire. Je vais peut-être passer un peu rapidement sur certaines parties. Et je vais vous apporter d'autres éléments. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une courte présentation sur moi-même. Il faut que je trouve le... Faire défiler les slides. Voilà. Alors, qui suis-je ? Je suis consultant chez Xebia, qui est une société parisienne qui fait du conseil en informatique. On a deux spécialités. Les technologies Java et tout ce qui tourne sur la JVM, et puis l'agilité en général. Donc moi je suis coach agile, j'interviens chez des clients pour mettre en place l'agilité, mais j'ai un historique et j'ai une expertise dans le monde du test. Donc j'ai passé pas mal de temps sur des projets à être responsable des tests, à faire de l'automatisation de tests d'interface, même si c'est overrated. C'est une activité que j'ai eue pendant longtemps, et d'ailleurs cette activité-là je l'ai eue dans les banques de finances que vous voyez en haut à gauche. J'ai fait de l'automatisation des tests dans les banques de finances. Et dans ces sociétés-là, j'ai un peu découvert ou je me suis un peu formé sur le fonctionnel des marchés financiers. Il fallait que je comprenne un peu les applications sur lesquelles je travaillais. Et donc, je devais avoir un vernis minimum des marchés financiers. Et donc j'ai découvert tous les outils ou les instruments financiers, et puis ça m'a questionné un peu sur mon activité dans le domaine des tests, et notamment sur l'utilité, la rentabilité de faire des tests automatisés de bout en bout. Et finalement, il y a une idée assez répandue, hein, dans les organisations qui ne sont pas agiles, que les tests automatisés, il faut calculer une rentabilité pour savoir si la démarche est rentable, etc. Et puis dans les équipes agiles, finalement, on ne se pose pas trop la question de la rentabilité, on automatise. Alors on automatise au niveau des tests unitaires, on automatise au niveau des tests d'intégration. On n'automatise pas beaucoup au niveau des tests d'interface dans les équipes agiles, tiens, c'est bizarre. Mais finalement, ce n'est pas si bizarre que ça. Donc voilà, j'avais plein de questions comme ça. Et puis, avec mon passage en banque de finance, j'ai réussi à rapprocher un peu ce que je faisais de ces instruments financiers. Et je vais vous proposer un petit peu un modèle ou une grille de lecture pour vous donner des billes sur la rentabilité de l'automatisation des tests, puis des tests en général. Avant de démarrer, donc David nous a fait une petite courte présentation sur les différents types de tests, en disant qu'il n'y avait pas que les tests manuels dans la vie. Ici, j'ai fait une petite synthèse des différents types de tests qu'on trouve. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont inconnus pour vous. Peut-être ceux sur votre droite. Je ne sais pas si vous connaissez les tests de sérendipité. Qui connaît ? Ok, je vais vous apprendre des choses. C'est bien. Test exploratoire. Qui connaît les tests exploratoires ? Qui en fait ? Waouh, deux personnes. Trois personnes. Ok. Test d'ergonomie. Vous connaissez ? Ouais, vous en faites ? Hein ? Qui en fait ? 1, 2, 3, 3,5. 3,5. Ok, test unitaire. Qui connaît les tests unitaires ? Ah, qui en fait ? Ah, ok. J'ai rien à vous apprendre dessus. Donc, on a différents types de tests. On a plein de types de tests différents. Bah, parlons un petit peu de ceux que vous ne connaissez pas trop. Les tests d'ergonomie. C'est quoi les tests d'ergonomie ? Voilà un joli terrain de foot qui respecte les specs. D'accord ? Les dimensions sont correctes. On a des filets. Les buts sont bien placés, on a une surface de réparation, toutes les lignes sont correctes, les spécifications sont ok. Est-ce que vous pensez que c'est un terrain de foot sur lequel on peut jouer? Ouais, il manque des tests d'ergonomie, hein, sur ce terrain de foot. Qu'est-ce que c'est que des tests d'ergonomie? C'est juste aller voir si les specs ou ce à quoi on a pensé et tient la route. Est-ce que c'est correct? Est-ce que nos utilisateurs vont l'utiliser? Finalement, ce terrain de foot-là, il suffit d'amener une équipe pour se dire que c'est pas trop ce qu'on attend d'un système. Donc c'est bien d'avoir des specs qui sont précises. Maintenant, il faut les mettre en action avec des vrais utilisateurs. Donc on attend des vrais utilisateurs pour jouer sur nos applications et nous faire remonter des choses qu'on n'a pas forcément vues. Ça, ce sont les tests d'ergonomie.
Test exploratoire. Est-ce que vous avez déjà eu ce message sur vos iPhones? Si vous avez des iPhones, bien sûr. Qui l'a déjà eu? Ouais. Est-ce que vous savez comment on l'obtient? Ouais, vous devez agiter comme ça. Est-ce que vous l'avez obtenu parce que vous vous dites, je vais agiter mon téléphone et je vais obtenir ce message-là? Non. Ok. Vous l'avez obtenu un jour quand il était dans votre poche, vous l'avez sorti, vous dites, tiens, rien à annuler, comment ça se fait? Comment c'est obtenu? Les tests exploratoires, c'est les tests qui sont pas scénarisés. D'accord? En général, quand on parle de tests manuels, on a des équipes de tests qui vous créent les tests scénarisés. Petit 1, lancer l'écran, login. Petit 2, entrer le login, etc. 1, 2, 3, 4. Voilà, on suit comme ça des étapes, des scénarios. Le problème, c'est que quand on donne ce système à nos utilisateurs, nos utilisateurs, ils font jamais 1, 2, 3, 4. D'accord? Ils font 1, 4, 2, 3, ils vont ailleurs, ils reviennent, etc. Et là, ils nous trouvent des bugs qu'on n'a jamais vus. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ne suivent pas exactement le process. Donc les tests exploratoires, ce sont les tests qui sont non scénarisés et sur lesquels on va juste s'attacher à atteindre un objectif. Donc l'objectif sera envoyer un email avec votre nouvel iPhone. On vous laisse 10 minutes. Vous n'avez aucun process à suivre. On veut juste savoir si vous l'avez envoyé. Et vous trouvez des bugs ou des anomalies parce que vous ne suivez pas les tests qui sont scénarisés. Donc vous sortez des sentiers battus et vous allez trouver des cas que vous n'aviez pas envisagés. Donc typiquement ce bug-là ou cette anomalie-là, on ne peut pas la trouver si on suit un test scénarisé. Les mecs d'Apple, ils ne se sont pas dit, un, je vais secouer mon téléphone, et deux, je vais vérifier que j'ai pas de message d'erreur. Troisième type de test que vous ne connaissez pas trop, les tests de sérendipité. Alors déjà, c'est un mot intelligent, je suis désolé, c'est peut-être un peu tôt le matin pour sortir des mots aussi intelligents que ça. Alors ça, c'est un vrai message d'erreur hein, qui existe dans une application. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le terme sérendipité? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, il y en a quand même une petite dizaine. Qu'est-ce que c'est que la sérendipité? Je vais essayer de ne pas dire des choses fausses. La sérendipité, c'est quand quelque chose de. C'est difficile à expliquer. C'est quelque chose qui arrive par hasard, qu'on n'avait pas prévu. Et qu'on déclenche de manière non intentionnelle. D'accord? Donc on trouve beaucoup la sérendipité sur les sites marchands. Quand vous regardez, par exemple, si vous allez sur le site de Louis Vuitton et vous regardez un sac, et Louis Vuitton va vous dire, pour aller avec ce sac, vous pouvez acheter la montre qui va avec et vous pouvez acheter les chaussures qui vont avec. Comme ça, au lieu de payer 2000 euros le sac, vous payez 6000 euros pour avoir la tenue complète. D'accord? Ça, c'est la sérendipité. Vous avez trouvé des chaussures et une montre alors que vous cherchiez un sac. Donc c'est provoquer le hasard. Test de sérendipité, c'est exactement ça. C'est dire il y a des bugs. Alors c'est aller plus loin que les tests exploratoires. Test exploratoire, on essaye de provoquer le hasard en allant dans des sentiers, en sortant des sentiers battus, en faisant des scénarios non prévus. Les tests de sérendipité, c'est encore pire que ça. On fait pas de scénario prévu, on essaye de trouver des bugs par hasard. Alors ça, c'est un peu révolutionnaire dans le monde du testing, hein, parce que le monde du testing, historiquement, c'est quelque chose de très cadré. Il faut une stratégie de test, il faut des tests bien écrits. Là, c'est vraiment provoquer le hasard. Je vais vous donner un exemple de test de sérendipité. J'ai un ancien collègue qui faisait tester. Alors, il y avait une équipe de test dédiée qui testait un site web. Et quand cette équipe de test dédiée testait son site, elle avait donc le navigateur d'ouvert. Et en parallèle, elle avait une fenêtre où elle voyait les logs. Défiler les logs de l'applicatif défiler en temps réel. D'accord? Et en parallèle, elle avait aussi ouvert dans le navigateur l'exploration de ressources, etc. Et donc pendant qu'elle était en train de tester, elle voyait en même temps les logs applicatifs de ce qui déroulait et aussi tout le code HTML qui était en train de se dérouler. Et parfois, quand on est en train de tester, il n'y a pas de message d'erreur particulier sur l'application, mais il y a un message d'erreur dans les logs. Il y a un truc bizarre qui se passe en fait. Et ça, c'est vraiment ça, provoquer le hasard. Et on se dit, bah, pourquoi, quand je suis à telle étape de mon scénario, j'ai un message d'erreur dans mes logs? Pourquoi ça s'est prévu? On a fait exactement le même principe avec une autre équipe où on testait aussi un site web et on avait ouvert les logs et on s'était aperçu en fait que quand il y avait une erreur, on ne comprenait pas d'où elle venait. Donc on a refait le scénario, on n'arrivait pas à la reproduire en fait. C'était une erreur non reproductible. Mais parfois, elle arrivait, comme ça, de manière inopinée. Et en fait, en ouvrant en parallèle les logs, on s'est aperçu que c'est parce que c'est un format de date qui, dans un cas précis, était envoyé en format anglais et pas en format français. Et en fait, ça, c'est quasiment impossible à détecter ou à reproduire avec des tests qui sont scénarisés. Donc, c'est des tests où vous vous dites, il faut que je provoque le hasard, et vous allez activement chercher à provoquer le hasard avec des techniques qui sont un peu différentes.
Donc c'est pas les techniques scénarisées. Donc là, voilà, je vous ai déjà donné trois types de tests que vous pouvez faire. C'est facile à faire, c'est pas scénarisé, ça demande pas une infrastructure énorme, ça demande pas une démarche de test très coûteuse, et vous pouvez déjà trouver plein de nouvelles choses et apprendre l'application. Donc super, je vais vous ressortir le. Oui. L'exploration, vous avez quand même un scénario à réaliser, donc vous avez un objectif. Je dois envoyer un mail ou je dois créer une nouvelle page ou je dois faire quelque chose. Sérendipité, vous n'avez même pas d'objectif. C'est-à-dire que vous dites, je laisse le hasard. Par contre, il faut que vous soyez en mesure de provoquer le hasard. Donc, soit en regardant en parallèle les logs. Enfin, il y a tout un tas d'autres techniques qui permettent de se dire, voilà, comment je vais provoquer le hasard. C'est l'extension des tests exploratoires, mais ça va encore plus loin. Vous n'avez pas d'objectif particulier. Est-ce que c'est plus clair? Alors, malheureusement, je vous ressors le cadran des tests. Enfin, c'est pas malheureusement, c'est heureusement, puisque David en a pas la survolé dans ma session précédente. Moi, j'ai mis une petite photo de Brian Marek. Hein. Je me suis pas contenté de donner son nom, mais j'ai pas donné son nom. Voilà, comme ça, c'est complémentaire. Donc, Brian Marek, il a sorti ce cadran-là qui est intéressant. En général, quand on parle de tests dans des organisations classiques, on est en haut à droite. Dans les équipes de test, donc on fait du test scénarisé, manuel, avec des campagnes de test, avec plein de choses. Il y a plein d'autres types de tests. Ceux qu'on trouve dans les tests agiles, ce sont des tests automatisés qui vont supporter le travail de développement, les tests unitaires, les BDD, les tests d'intégration, tous ces tests-là. Dans l'agilité, on a aussi des tests manuels ou des tests si c'est ça, parfois automatisés, mais souvent manuels, qui vont supporter aussi le travail de l'équipe. C'est par exemple la démo, la démonstration de fin de sprint. Quand on va montrer à notre product owner une application qui fonctionne. Allô? Ah, voilà. Problème de batterie. C'est pour le duplex que je suis obligé de garder le micro, hein. Sinon, je pourrais vous parler sans micro. Donc le cadran, on a la démo de fin de sprint, c'est typiquement des tests manuels qui sont avec une orientation fonctionnelle ou une orientation métier et qui viennent aider, supporter le travail des développeurs. Brian, il nous a aussi dit que par exemple, quand vous faites des prototypes ou quand vous faites des simulations, c'est une sorte de test. C'est pas du test formel qui vient critiquer le produit, mais c'est des tests qui vont venir aider l'équipe à développer, à trouver des choses. Donc vous avez les orientations ici des tests qui sont plutôt orientés technologiques ou plutôt orientés techniques, et des tests qui sont plutôt orientés métiers sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Vous avez l'objectif du test. Soit c'est d'aider l'équipe à développer son produit, soit c'est de critiquer le produit ou de le challenger. Et puis dans tous ces tests ici en bas à droite, on va retrouver des tests techniques qui viennent critiquer le produit, les tests de perf, les tests de stress. Le slide était en anglais, donc penetration testing, c'est les tests d'intrusion. N'y voyez pas le mal. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le canary testing? Non? Vous donnez votre application à un canari et il va vous tester en fait. Avec son petit bec, l'application. Non, c'est pas ça. Canary testing, c'est un déploiement des fonctionnalités progressif pour vérifier que tout se passe bien. Par exemple, Facebook, quand ils déploient une nouvelle version de leur application, ils ne la déploient pas dans le monde entier en même temps. Ils la déploient dans un pays bien particulier. Vous savez où ils le font? Oh, non, ils ne le font pas aux Canaries. Ça pourrait, ça pourrait. Ils le font en Nouvelle-Zélande. Parce que c'est un pays anglophone, c'est au fin fond, c'est au bout du monde, c'est au milieu de nulle part. C'est sur un créneau horaire bien particulier, donc il y a peu d'autres pays sur le même créneau horaire. Et en fait, s'il y a des problèmes dans leur nouvelle application, ils peuvent le détecter très très vite et ils peuvent les corriger avant que l'application soit déployée sur les autres créneaux horaires. Donc le canary testing, c'est ça, c'est
cibler une population d'utilisateurs chez qui vous allez déployer l'application pour de vrai, pour être capable derrière d'identifier et de corriger les anomalies avant qu'elles soient déployées aux autres utilisateurs. A/B testing, vous savez ce que c'est? Ouais. Ok. A/B testing, c'est quand vous proposez à vos utilisateurs aléatoirement deux écrans qui font la même chose. Donc, par exemple, un écran de login. Vous allez avoir deux versions de votre écran de login et vous voulez savoir lequel est le plus performant. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous faites juste des études avec des panels utilisateurs parce qu'il faut la représentativité n'est pas suffisamment forte. Donc, il y a des applications web où, en fait, on vous propose deux écrans de manière aléatoire. Et en fonction du plus grand nombre de clics sur un écran ou sur l'autre, on voit lequel marche mieux et on supprime celui qui marche le moins bien. Donc ça, c'est typiquement du A/B testing. Donc ça, c'est des tests que je mets plutôt des tests côté technique. Le A/B testing, c'est, même si ça a une portée un peu plus fonctionnelle, ça reste quand même des tests techniques. Et c'est des tests qui viennent critiquer le produit. Donc finalement, dans votre stratégie de test agile, vous n'avez pas que juste le cadran en haut à droite. Si vous voulez éveiller vos équipes de test ou éveiller votre management au test, il y a beaucoup d'autres types de tests qui rentrent en ligne de compte et ils sont tous utiles et nécessaires. Maintenant, dans tous ces types de tests-là, il y en a qui s'automatisent et il y en a qui ne s'automatisent pas. Alors, par exemple, ceux que j'ai mis à gauche sont des tests qui s'automatisent. D'ailleurs, on ne peut que les faire automatiser. Aujourd'hui, j'imagine pas un développeur en train de faire des tests unitaires à la main. Ça a eu marché. Comme disait le comique, il y a une époque où, quand j'étais très 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 petit, on faisait des tests unitaires à la main. Aujourd'hui, on n'imagine pas de faire des tests unitaires à la main. Donc, c'est des tests qui sont que automatisés. Soit on les fait et c'est automatisé, soit on les fait pas. Malheureusement, il y en a encore trop souvent qui n'en font pas. Mais ce sont des tests qu'on peut pas envisager de faire différemment. Tests de performance, de stress, de charge, c'est pareil. On les automatise. On va pas recruter 1000 personnes dans la rue pour faire des tests de charge pour savoir si son application tient la route. Donc il faut des outils qui vont simuler des utilisateurs. Il faut des outils qui vont simuler de la performance, du stress, de l'activité réseau pour faire ça. Tout à droite, on a les tests qui ne sont pas automatisables. Donc les tests exploratoires, les tests de sérendipité, les tests d'ergonomie, ce n'est pas automatisable. Pourquoi ? Parce que ça repose sur l'humain. Ça repose justement sur l'aléatoire. L'ordinateur n'est pas aléatoire. Alors je ne dis pas que dans certaines universités, il n'y a pas des projets de robots pour faire des tests exploratoires. De manière aléatoire, mais ce n'est pas un standard de l'industrie aujourd'hui. Donc ces tests-là, ils reposent sur l'humain, on ne peut pas les automatiser. Et puis au milieu, il y a des tests qu'on peut automatiser. Donc notamment les tests de bout en bout, même s'ils sont overrated, on peut les automatiser. Et puis il y a ce qu'on appelle le parallel testing. Est-ce que vous êtes familier avec l'idée de parallel testing? Non? Test en parallèle? Le parallèle testing, c'est quand vous avez vous testez une application par rapport à la production. Donc ça, c'est surtout utilisé pour tester les batchs. Donc on prend les données de production, on les injecte dans notre système sous test et on vérifie le résultat avec la prod et on regarde s'il y a rien qui s'est si on n'a pas eu de régression en fait, si on n'a pas d'écart. Donc ça, c'est typiquement des tests de non-régression et qu'on fait en général avant de passer en prod et le plus souvent sur des systèmes de type batch ou des systèmes qui sont très orientés données. Donc ça c'est pareil, c'est des tests qui s'automatisent très bien, surtout que sur ce type de test-là, on a en général des milliers et des milliers, voire des millions de données à gérer. Donc on ne va pas aller vérifier à la main, un à un, que les données sont bien identiques. Donc voilà, ces tests-là, ce sont des tests qui peuvent s'automatiser avec des robots de test disponibles sur le marché. Et puis à partir du moment où on se dit bah, on peut les automatiser, nos chers managers se disent tiens, il y a peut-être un peu de gain à avoir là-dedans. Si j'ai des gens qui testent à la main et que je peux les remplacer par des robots, ça va me coûter moins d'argent. Donc je fais le calcul, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 testeurs dans mon équipe qui me coûtent 300K par mois. Donc a priori, si j'achète un outil qui va me coûter 10 000 euros par mois, je peux remplacer mes testeurs. Hop, hop, hop. Donc voilà, je vais acheter un outil test et je vais automatiser mes tests. Alors comment on calcule ce retour sur investissement dans ce type de test-là? La formule la plus courante qu'on voit, c'est de dire bah, je calcule combien me coûtent mes tests manuels. Donc mes 6 testeurs, plus faire tous les tests à la main pour chaque campagne de test, etc. Donc en général, c'est l'exécution des tests. Et je vais essayer d'estimer combien ça va me coûter mes tests automatisés. Donc dans l'estimation des tests automatisés, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte. Il faut fabriquer les scripts de test. Donc ces outils-là sont des outils qu'il faut scripter. Hein. C'est un robot, il faut lui dire au robot où est-ce que tu cliques, où est-ce que tu remplis les informations, etc.
Il faut acheter les licences des robots de test. D'accord? Il y en a qui sont gratuits, certains sont payants. Plus votre technologie est vieille, plus vous avez besoin de robots avec des licences de test. Alors, si vous êtes dans le monde du web, c'est super, vous avez des outils comme Selenium qui sont gratuits. Si vous êtes sur des applications avec des clients lourds en C++, ça devient un peu plus compliqué d'utiliser des robots de test et là vous allez devoir passer dans le monde du payant avec des licences. Une fois qu'on a lancé les scripts de test, bah, il faut quand même quelqu'un pour aller les lire, lire le résultat des scripts et interpréter le résultat. D'accord? Le résultat n'est pas directement interprétable. C'est pas parce qu'on a un échec d'une exécution de script qu'on a forcément un bug. Parfois, il y a des petits délais entre des écrans. Par exemple, le robot, lui, il peut très bien ne pas attendre suffisamment de temps pour qu'un écran s'ouvre et exécuter déjà les instructions de l'écran suivant alors que l'écran s'est pas encore ouvert. Et vous avez une erreur d'exécution. Donc il faut quand même quelqu'un, on ne peut pas juste supprimer tous les testeurs, il faut quand même quelqu'un, un mec qui va lire le rapport de test et qui va dire, ah, là il y a un bug ou qui va relancer. Et puis vous avez là le paramètre qui est non maîtrisable, la maintenance des scripts. Combien ça va me coûter de maintenir les scripts que j'ai déjà écrits? Évidemment, votre application, elle évolue. Vous changez vos écrans, vous rajoutez des règles métiers, vous ajoutez de nouveaux écrans, donc les scripts que vous avez écrits, il va falloir les maintenir. Donc ça, c'est le coût. C'est ce que vous coûte vos tests automatisés. Alors, il y a un coût là-dedans que je n'ai pas indiqué, c'est le coût d'écriture du test en lui-même. Mais ça, on le retrouve des deux côtés de l'équation, donc je l'ai enlevé. Évidemment, quand vous automatisez un test, vous avez besoin d'écrire le test en premier lieu. Il faut automatiser quelque chose qui existe. Mais vous avez ce coût-là aussi à gauche de l'équation. Donc finalement, le ROI, si vous écoutez les experts du test, donc si vous m'aviez écouté il y a 5 ou 6 ans, je vous aurais présenté cette formule-là. En disant c'est fantastique, on va faire de la rentabilité. Si vous allez sur Internet, vous avez des calculatrices de ROI avec plein plein de paramètres, donc ça va beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré sur l'écran d'avant. Vous allez pouvoir rentrer plein de paramètres et à la fin, ils vont vous donner un résultat en dollars pour savoir combien vous allez économiser grâce au robot de test. Vous n'avez plus qu'à faire la conversion en euros avant d'aller le vendre à votre management, ce qui est relativement facile. Alors par exemple, ils vous disent quelle est la technologie de votre application. Alors si vous êtes dans le monde du web ou du Java, c'est plus facile d'automatiser les tests de bout en bout. Si vous êtes dans le monde du C++, du COBOL, etc., c'est plus difficile. Ils vous demandent le salaire de vos testeurs. Ça va loin. Hein. Ils vous disent combien de campagnes de tests vous faites à chaque release, combien de bugs vous avez. Et puis ils vous demandent aussi des choses que vous en savez fichtre rien. Ils vous disent combien va vous coûter la maintenance de vos scripts. Là, c'est vous jetez les dés et vous dites bah 15. Allez, ça va me coûter 15. Donc le résultat de ces calculatrices-là, elles ont un aspect séduisant. Comme ça, on se dit, ah, c'est facile, il suffit de remplir les paramètres. Je clique sur un bouton et tang, mon étude de rentabilité est faite. C'est pas si simple que ça. Je vais pas vous dévoiler le résultat. Alors, quand vous faites vos études de rentabilité comme ça, la rentabilité, elle se calcule en fonction du temps. Avec la formule précédente, si vous faites un calcul de rentabilité sur une seule campagne de test, les tests automatiques seront toujours plus chers que des tests manuels sur une campagne de test. Donc, il vaut mieux, si vous faites une seule campagne de test, il vaut mieux garder des testeurs manuels. D'accord? Donc, la rentabilité, elle arrive au bout d'un moment. Alors, ce graphe-là, c'est un vrai graphe hein, que j'ai extrait d'une de mes missions. La courbe ici, un peu droite, c'est le coût des tests manuels. Donc, à chaque release, ici, ce sont les releases. Ou les cycles d'exécution de test, pas forcément les releases, mais les campagnes de test. Donc à chaque fois que vous faites une campagne de test, boum, ça vous coûte votre équipe de testeurs. Et ici, la courbe en bleu, un peu logarithmique, c'est la courbe de coût des tests automatisés. Donc vous voyez, cette courbe de coût-là, bah, elle est beaucoup plus forte au départ que les tests manuels, parce qu'il faut que vous écriviez tous vos scripts de test. Et puis, donc ça, c'est le. Il faut que vous achetiez les licences, il faut que vous formiez vos testeurs. Donc il y a un démarrage de la courbe qui est une pente assez raide. C'est l'acquisition, c'est un peu le ticket d'entrée de l'automatisation des tests. Donc acquisition des outils, installation, formation des utilisateurs. Ensuite, vous avez un deuxième pan de la courbe ici qui est un peu moins raide. Là, c'est la phase pendant laquelle vous écrivez les tests automatisés ou les scripts. Et puis, à un moment donné, vous avez fini d'écrire vos scripts. Et donc là, à chaque campagne de test, ça va vous coûter moins cher, normalement, d'exécuter vos tests manuels. Et à un moment donné, les deux courbes vont se croiser dans le temps, dans le futur. Et donc, quand les deux courbes se croisent, c'est que vous gagnez plus d'argent avec les tests automatiques.
Alors, pour avoir fait cette étude-là à plusieurs reprises, le croisement des courbes ici, en général, il n'intervient jamais avant 1 an et demi dans le futur, quand on fait des projections comme ça. 1 an et demi à 2 ans. Alors, j'ai besoin d'un manager dans la salle. Qui veut être manager? Au hasard, quelqu'un? Personne. Ah, Cécile. Donc, Cécile est manager de test. Voilà, ou manager d'une organisation, et on va dire, voilà, j'ai fait une étude de rentabilité, donc l'automatisation des tests, c'est très intéressant. Je pense que dans 1 an et demi, on n'aura rien gagné. Mais que dans 2 ans, on va commencer à gagner de l'argent et on aura gagné 20 000 euros. Est-ce que vous achetez? Ah, donc vous n'êtes pas un vrai manager. Donc, oui, peut-être. Est-ce qu'on a un autre manager dans la salle? Personne ne veut jouer le rôle du manager. Ah, ouais. Vous n'êtes pas sympa avec eux. Hein. Bon, en général, quand vous allez présenter un bilan comme ça à un manager, voilà, dans 2 ans, on gagne 20 000 euros. Votre manager, il vous répond même pas, en fait, il est déjà parti ailleurs. Il a autre chose à faire que de vous écouter parler de gagner 20 000 euros dans 2 ans. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que ces courbes-là, je les ai présentées en comité de pilotage dans une grande banque de finances où on avait un chantier d'automatisation des tests. Sur un portefeuille applicatif d'un département, donc il y avait 70 applications critiques. Et puis on a fait donc cette étude de rentabilité-là. Et quand on a présenté ces chiffres-là, il n'y avait plus personne au comité de pilotage en fait. Les décisionnaires, ils venaient plus, ils avaient autre chose à faire. Mais ils n'envoyaient même pas de remplaçants ou ils nous avertissaient même pas qu'ils allaient plus venir au comité de pilotage, quoi. On était passé après tous les autres projets. Donc finalement, ces courbes, quand on fait ces courbes-là et quand on fait cette étude de rentabilité avec les éléments que je vous ai donnés, on a des informations qui ne sont pas très intéressantes. Enfin, on a des gains qui ne sont pas très intéressants. Voilà, là, la petite montre, c'est juste pour vous dire que, au fur et à mesure du temps, on gagne de l'argent. Et pourtant, quand on automatise vraiment les tests, le gain, il est beaucoup plus important que ça. Donc dans tous nos managers là, qui ne venaient plus au comité de pilotage, en fait, si, il y en a un qui venait encore. Il était sympa, il avait plein de choses à faire, mais il était un peu plus professionnel que les autres. Et avec lui, on s'est lancé en fait dans une étude d'automatisation. Je vais répondre à votre question peut-être juste après. Ouais. Ouais. Sauf que pendant 1 an et demi, vous dépensez beaucoup plus, ce qui Ouais. fait que la rentabilité arrive encore plus loin. Non, en fait, là, on est vraiment sur du coût. Donc ici, on est sur de la dépense. Donc la différence de dépense, elle est entre les deux courbes ici. C'est tout. Hop. Ah. Donc voilà, il y a un manager qui a accepté de jouer le jeu. Donc on a commencé à automatiser les tests sur une de ses applications. On a fait du parallèle testing. Et là, sur la première campagne de test où on a exécuté les tests, on a découvert un bug qui n'aurait pas été détecté par les tests manuels. Et ce bug-là, en production, il aurait coûté 80 000 euros. Et ça nous avait coûté à peu près 10 000 euros pour automatiser ces tests-là. Donc 70 000 euros sur un travail de 15 jours. On a économisé en fait 70 000 euros sur un travail de 15 jours. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui manque en fait dans cette équation. Est-ce que vous savez ce qui manque? Il y a un gros truc qui manque. C'est l'éléphant qu'on essaye d'ignorer en fait. Oui? Alors, il manque quoi? Non. La qualité du produit, on chauffe. Le coût des défauts. Bravo. Alors j'ai pas de prix à remettre, j'ai un stylo Agfa ici, si tu veux. Le coût des défauts. Eh ben oui, parce que le coût du défaut que je vous ai donné, c'était 80 000 euros là dans notre exemple. Et le coût de l'automatisation, c'était 10 000 euros. Donc il manque un paramètre dans notre équation, c'est le coût des défauts. Mais le problème, c'est que le coût des défauts, comment l'estimer? Il y a de la probabilité, donc on n'a pas systématiquement des défauts. Il y a l'impact du défaut. Si on en trouve un, est-ce que c'est 80 000 euros qu'on va perdre ou est-ce que c'est 150 000 euros? Donc en fait, il y a plein de paramètres qu'on ne sait pas gérer. Et donc pour inclure le coût des défauts, c'est là où je me suis inspiré un peu des travaux que j'ai faits dans les banques de finances et des instruments financiers. Alors avant de vous introduire sur ces travaux-là, le coût d'une anomalie, on a... Oui? Parce qu'en fait, il était caché dans un volume de données énorme que visuellement, dans le test manuel, on ne contrôlait pas. Voilà. Donc là, on était dans du parallèle testing et on avait un volume de données trop important à tester. Ça répond à la question? Ok. Donc le coût d'une anomalie, on a plein.
On a plein de données pour ce coût d'anomalie. En plus, le coût d'anomalie, comme je vous ai dit, il varie. C'est-à-dire qu'en fonction du moment où il a été introduit, il va vous coûter plus ou moins cher. Ou du moment où il a été constaté, il va vous coûter plus ou moins cher. Ici, alors, je ne sais pas si vous connaissez la courbe de coût d'une anomalie. En gros, plus vous découvrez une anomalie tardivement par rapport au moment où elle a été introduite, plus ça va vous coûter cher à corriger. Une anomalie qu'on découvre en production, elle est plus chère à corriger. C'est un modèle discutable. Je sais que Laurent Bossavi a un peu enfoncé le modèle. Je pense qu'il a enfoncé le modèle sur le fait que c'est exponentiel et que ça coûte très cher. Mais de manière, je dirais, intuitive, plus vous le découvrez tard, plus ça vous coûte cher. J'irai juste là. Si vous le découvrez en production, il faut faire un rollback potentiellement. Il faut aller rechercher dans du code qui a été écrit il y a beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup moins frais dans votre mémoire. Potentiellement, les gens sont déjà partis du projet. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres supplémentaires. Donc on a pas une courbe, on ne sait pas évaluer exactement quel est l'impact de cette anomalie-là, mais on sait que bah, ça va nous coûter plus ou moins cher et l'impact va être plus ou moins différent. Et c'est là que je me suis... Alors, les petites bullet points à gauche, c'est parce que je fais mes présentations sur PowerPoint pour Mac, et je ne sais pas pourquoi, dans la conversion avec Windows, ça fait des petites flèches qui descendent vers le bas. Ça n'a absolument aucune signification dans ma présentation. Donc, essayez pas de trouver un sens en disant c'est un truc qui est pas bien, ça descend vers le bas. Je sais pas. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, c'est une flèche qui descend vers le bas. C'est un peu dommage. Et donc là, je me suis inspiré d'instruments financiers que j'ai trouvé dans la banque de finances pour dire bah, comment ils font en fait les financiers pour donner des prix à des choses qui sont absolument pas prédictibles. Comme ça, parce que les financiers, ils vous donnent un prix sur tout. Notamment sur des instruments optionnels. Alors, qui boursicote un peu dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui font un petit peu d'achat et de vente d'actions? Un. Merci. D'accord. Ok. Alors accrochez-vous, arrêtez de tweeter parce que là, ça va commencer à devenir un petit peu complexe. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une option d'achat dans la finance. Donc une option d'achat, c'est un instrument financier optionnel. Donc quand vous achetez une option d'achat, c'est pas comme si vous achetiez une action. Si en plus je bafouille, ça va être difficile. C'est pas comme si vous achetiez une action, vous achetez la possibilité d'acheter une action. C'est toute la nuance est là-dedans. Et donc, quand vous achetez cette possibilité d'acheter une action, vous allez payer une prime pour acquérir ce droit. Et puis, cette possibilité-là, c'est évidemment, on ne vous donne pas la possibilité d'acheter l'action à n'importe quel prix. C'est un prix qui est négocié et c'est à une date donnée dans le futur, une date négociée. Donc cet instrument-là s'appelle un call. Je vous donne un petit exemple. Alors à chaque fois que je fais cette presse-là, je rafraîchis la courbe de coût de l'action Google. Là, je ne l'ai pas fait hier soir parce que je n'étais pas connecté. Comme je viens juste de m'installer à Bordeaux, je n'ai pas encore Internet. Bon, elle s'arrête à avril 2002 parce que la dernière fois que j'ai donné la conf, c'était à MixIT à Lyon fin avril. Mais le principe est le même. D'accord ? Donc ici, vous avez la courbe du prix de l'action Google. On est en avril 2002. Okay, donc hop, on repart un peu dans le passé. Nous sommes en avril 2002 et en avril 2002, vous vous dites, je vais acheter une option pour acheter l'action Google. Donc par exemple, je vais acheter la possibilité d'acheter l'action Google à $630 en juillet 2013. Donc dans un an et demi dans le futur. D'accord. Aujourd'hui, l'action Google, donc en avril 2012, elle vaut 610 €. Donc quand vous vous dites... Je vais me donner le droit de l'acheter à $630, c'est que vous tablez sur une hausse forte de l'action Google. Parce que si vous l'achetez à $630 et qu'elle en vaut toujours que 610 en juillet 2013, vous n'avez pas gagné d'argent. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas exercer votre option. Donc c'est ça la vertu du produit optionnel, c'est que si ça vous intéresse, vous pouvez exercer votre option. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne faites rien. Et vous avez perdu le prix de la prime. Donc le modèle de gain, c'est celui-là. Ici, vous avez le prix de l'action, qu'on appelle le sous-jacent, ou l'actif, et ici, vous avez votre modèle de gain. Si en juillet 2013, l'action Google est à plus de $610, vous n'allez pas exercer votre option. Ça ne vous intéresse pas, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, vous perdez la prime, le prix auquel vous avez payé le droit d'acquérir votre action Google, qui sont les $10. Si l'action en vaut 630, vous n'avez rien gagné non plus. Si l'action vaut $640 en juillet 2013, vous n'avez rien gagné, mais vous exercez votre option. Et vous remboursez ce que vous avez dépensé pour acquérir le droit.
Si l'action vaut 650 dollars, vous avez gagné 10 dollars, etc., etc. Donc le modèle de gain, il est infini. Et il est infini en termes de gain et en termes de perte, il est limité. Vous ne pouvez jamais perdre plus que le prix de votre action. Que le prix de votre prime. Je vais y arriver. Est-ce que vous avez compris ? Ouais. OK. Donc, voilà, je me suis dit, voilà comment on va vendre l'automatisation des tests au management. Parce que ça, c'est un modèle de gain qui est assez intéressant. Les gains infinis et les pertes limitées. Donc, je me suis amusé à faire cette petite projection en disant, si on devait le projeter en fait sur l'automatisation des tests, ça ressemblera à quoi ? Ça ressemblera à ça. Je dirais à mon manager, quel investissement vous êtes prêt à consentir sur l'automatisation des tests ? Et quelles sont les prédictions de non-qualité que vous faites aujourd'hui sur votre système ou sur votre prochaine release ? D'accord. Et si les prédictions de non-qualité, le coût des anomalies découvertes ou le coût de la qualité améliorée par les scripts d'automatisation dépassent largement l'investissement que vous avez consenti, vous allez gagner de l'argent. Ce qu'il faut retenir dans ce modèle de gain-là, c'est qu'il n'est pas dépendant du temps. C'est un modèle de gain à l'échéance. Donc vous vous fixez une date dans le futur et vous dites à cette date-là, qu'est-ce que je veux gagner ou quelles sont les prédictions de non-qualité que je suis capable de faire sur mon système. Et donc, vous dites, je suis prêt, par exemple, les prédictions de non-qualité que je fais sur mon système, c'est à chaque release, les pertes opérationnelles de mon système, c'est 300 000 euros. D'accord ? En production, je perds 300 000 euros à chaque release. Donc sur ces 300 000 euros, est-ce que vous êtes prêt à en consacrer un tout petit bout, par exemple 10 000 euros, pour commencer à automatiser ? Si grâce à ces 10 000 euros-là, vous avez économisé 100 000 euros, vous avez fait du gain. Et vous allez vous relancer dans une politique d'investissement incrémental. Comme ça. Alors maintenant, comment on calcule, c'est bien beau tout ça, c'est un modèle un peu théorique, comment on calcule l'investissement à consentir, comment on calcule les prédictions de non-qualité et le coût des anomalies découvertes. Alors la première chose, c'est qu'il faut se mesurer. D'accord. Je vous ai donné un exemple, votre système perd 300 000 euros en production. Ok, ça c'est un exemple assez classique, mais combien vous coûte la non-qualité aujourd'hui sur votre système ? D'accord. Donc voilà quelques petits exemples. Je suis intervenu sur un site marchand qui vend des voyages en ligne. Eux, ils avaient calculé qu'une indisponibilité de 1 minute du site web, ça leur coûtait 20 000 euros de manque à gagner. Donc ils sont capables de vous dire exactement combien leur coûte la non-qualité en production. Dans une banque de finances, ils avaient calculé qu'en moyenne, les anomalies en production, en moyenne, elles leur coûtaient 300 000 euros. Donc à partir du moment où vous avez des résultats ou des mesures comme ça, vous êtes capable de savoir combien vous allez pouvoir investir dans vos tests automatisés. Alors, si vous ne savez pas calculer ça, commencez à vous mesurer par... il y a différents types, en fait, où il y a différentes stratégies pour se mesurer. Donc, par exemple, vous pouvez calculer combien vous coûtent les retards de livraison. Si systématiquement, vous êtes en retard sur vos livraisons, vous pouvez peut-être aller voir le département marketing pour savoir quel est l'impact, en fait, de ces retards-là. Est-ce que les clients vont voir les concurrents ? Est-ce que c'est une perte d'image ? Et là vous pouvez aller voir les commerciaux aussi pour vous dire au niveau des retards ou au niveau des bugs comment l'image se détériore. Et là les commerciaux ils savent vous dire très très précisément combien ils perdent à cause de votre application qui est toute pourrie, pleine de bugs. Donc c'est des sources d'informations extraordinaires pour savoir se mesurer. Vous pouvez aussi aller voir votre DSI pour dire c'est quoi votre budget de maintenance sur 2013 pour gérer les bugs. Voilà, ça c'est typiquement ce que coûte la non-qualité. Et puis dans certains organismes, on a le devoir de contrôler ces pertes opérationnelles, c'est notamment le cas des banques. Donc les banques savent très très précisément combien elles perdent en production à cause des bugs. Donc ce sont des chiffres qui existent, mais il faut les obtenir. Donc la première étape, c'est d'obtenir ces chiffres-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire des prédictions sur la qualité de son application. Donc vous savez combien vous perdez aujourd'hui, demain combien vous allez perdre. Là il faut regarder un peu votre process de développement ou votre process de fabrication de produits logiciels. Alors il y a un autre petit bonhomme chauve sur mes slides, lui c'est Scott Ambler, c'est un gourou agile de IBM, un peu controversé parfois, je ne suis pas très fan de ce qu'il fait, mais il a fait ce petit graphe là qui est assez intéressant, qui vous montre, alors sur la courbe de coût d'une anomalie qui n'est pas forcément correcte, mais qui augmente quand même un peu exponentielle, il vous place des techniques de contrôle et d'assurance qualité avec en vert les techniques qui viennent plutôt du monde de l'agile et en rouge les techniques qui viennent plutôt du monde classique. Voilà. Ce qui saute aux yeux, c'est que les techniques qui viennent plutôt du monde classique elles découvrent les bugs relativement tard par rapport aux techniques qui viennent de l'agile. Donc par exemple en agile vous avez l'intégration continue, vous avez le TDD,
Vous avez la programmation en binôme. Tout ça, ce sont des techniques qui vous permettent d'identifier les anomalies très très tôt dans votre process de développement. En revanche, la revue ou les inspections de code, eh ben, il y a déjà un petit peu de temps qui est passé. Les tests d'acceptance, donc les tests de recettes, voilà, ça c'est tout à la fin. Donc il y a déjà beaucoup de temps qui est passé. Donc les bugs que vous trouvez en test de recettes vont vous coûter beaucoup plus cher. Donc finalement, pour faire des prédictions de non-qualité ou des prédictions de coûts des bugs, vous pouvez regarder votre process de développement, vous dire quelles sont les pratiques que j'ai là-dedans. Si vous avez surtout les pratiques en vert, a priori, vous allez savoir que vos bugs, vous allez les découvrir suffisamment tôt et que l'impact et le coût de correction ne va pas être énorme. Si vous avez surtout les pratiques en rouge et pas beaucoup de pratiques en vert, vous savez que le bug et l'impact vont être plutôt plus importants. Alors, encore un petit bonhomme chauve sur mes slides. Qui connaît la pyramide de Mike Cohn? Ok. Donc, Mike Cohn, qui est le petit bonhomme en photo ici, il nous a dit, voilà, il a mis au point cette espèce de façon de présenter les différents types de tests, en disant que dans les équipes agiles, on a beaucoup de tests unitaires, on a une forte base de tests unitaires, parce qu'on fait du TDD. Donc, on écrit les tests unitaires avant d'écrire le code. Donc, forcément, on a énormément de tests unitaires. On a quelques tests de recettes, et puis quelques tests d'interface, de bout en bout. Donc, il donne des proportions comme ça indicatives. Alors, ce n'est pas à regarder à la lettre, hein. Les pourcentages peuvent varier en fonction des organisations. Ce qu'il faut voir, c'est que la proportion globale, c'est celle-là. Donc, ça, c'est typiquement la pyramide de tests d'une équipe agile. On a beaucoup de tests unitaires, un petit peu de tests de recettes. Il y a la démo du product owner, plus parfois, il y a des équipes de tests qui viennent faire les tests un peu plus structurés, et puis des tests de bout en bout. Alors, quand on a une pyramide de tests de cette façon-là, donc je vous ai dit, on est capable d'attraper ces bugs beaucoup plus tôt. Donc, l'impact et le coût des anomalies va être beaucoup plus faible. Ouais, il faut que j'accélère un peu. Donc du coup, finalement, vos prédictions de la prédiction de qualité que vous pouvez faire sur votre application, elle est assez forte. On sait que votre application, elle va être plutôt de bonne qualité et que l'impact va être faible. Donc le budget que vous êtes prêt à consacrer à l'automatisation des tests va être plus faible. Parce que vous dites, j'ai déjà un processus qui est relativement fiable en termes de découverte d'anomalies, et les quelques anomalies résiduelles ne vont pas me coûter très cher. Donc finalement, pourquoi j'investirais sur des tests automatisés depuis l'interface graphique qui vont me coûter très cher, qui vont être sensibles aux modifications, qui vont être fragiles, etc. Et c'est généralement pour ça que les équipes agiles automatisent peu les tests de bout en bout depuis l'interface graphique, parce qu'ils ont déjà un tel filet de sécurité sur les niveaux inférieurs ici qu'il reste très très peu d'anomalies résiduelles. Et qu'on n'a pas forcément besoin on n'a pas besoin dans les équipes agiles de tester tout son système depuis l'interface graphique. Donc si vous avez une pyramide de tests comme ça, continuez à investir sur les tests unitaires. Ça ne sert à rien d'investir sur les tests automatisés de bout en bout. Parce que la valeur de vos tests, elle est là. Et vous avez déjà une forte couverture de tests. Donc vous avez un maillage de votre filet de sécurité qui est très très fin et qui est capable d'attraper beaucoup d'anomalies. Investissez quand même un petit peu ici et quelques tests bout en bout. Automatisé parce que vous pouvez tester quand même des choses plus intéressantes, enfin parfois plus intéressantes que les tests unitaires. Si vous êtes dans un système legacy ou un système qui n'a pas été développé en agile et qui existe depuis très longtemps, là vous avez plutôt une pyramide de tests qui ressemble à ça. Donc les tests unitaires, on les fait après le code. Donc qui dit qu'on les fait après le code dit qu'en général on ne les fait pas, ou très très rarement. Et puis quand on les fait, en général, ils passent pas ou ils ont été désactivés parce que ça empêche de compiler et de builder l'application. Vous avez un petit peu de tests d'intégration et puis vous avez une grosse masse de tests de bout en bout qui sont faits par des équipes de tests dédiées et qui vont vous garantir, Dixit, la qualité du système. Donc ça, c'est en général quand vous avez beaucoup de pratiques qui sont en rouge. Alors finalement, quand vous avez un système comme ça, Legacy, où est-ce qu'il faut investir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous allez dire à votre manager? Est-ce qu'on a un Darth Vador dans la salle? Quelqu'un qui imite bien Darth Vador? Personne? Ok, à Mix IT, il y en avait un qui m'avait fait super bien Darth Vador. Hein. Ok, bon, je vais vous le faire. Donc, si vous avez un système comme ça, vous allez voir votre management et vous allez lui dire. I find your lack of testing disturbing. C'était comment? Merci. Merci, merci.
Donc vous allez lui dire ça et puis hop, magiquement comme ça, il va vous dire oh oui, en effet, mon manque de tests est un peu perturbant et on va commencer à investir. Non, en fait ça se passe pas comme ça. En fait, sur un legacy, c'est plutôt ça. Vos prédictions de qualité, elles sont assez faibles. Donc forcément, le coût et l'impact des anomalies va être plus fort. Donc si le coût et l'impact des anomalies sont plus forts, vous allez dire à votre manager, je pense que tu peux consacrer un petit bout du budget de ta non-qualité qui te coûte extrêmement cher à automatiser un peu tes tests d'interface ou à automatiser un peu tes tests unitaires ou à automatiser un peu tes tests d'intégration. Et donc l'idée, c'est de dire bah, combien tu es prêt à consacrer ou plutôt combien tu es prêt à perdre, combien tu es prêt à mettre sur la table. Potentiellement, tu peux les perdre, mais potentiellement, tu peux avoir un gain infini. Donc c'est plutôt ça. Quel budget manager tu es prêt à perdre pour commencer à automatiser les tests et pour améliorer la qualité. Alors, malheureusement, qui dit commencer à améliorer la qualité sur la pyramide de tests dit bah, on a peu de tests automatisés, donc où est-ce qu'on commence à automatiser les tests? C'est là où il vous faut une stratégie. 5 minutes. Il vous faut une stratégie de test. Gauchko Adzik, qui est un collègue de David Evans, qui nous a parlé tout à l'heure, il nous a fait ce petit testing donut que je trouve assez sympa. Qui aime bien les donuts? Ouais. Alors, toi, tu vas nous dire, si tu devais donner une seule, si tu devais mordre dans un seul endroit dans ce donut-là, où est-ce que tu mordrais? Ah, tu mordrais. Ah, voilà, l'idée de croquer ici. D'accord. Donc, quand vous allez commencer à automatiser vos tests, il vous faut une stratégie. Il faut automatiser là où ça a le plus de valeur et là où c'est le plus risqué. Ça ne sert à rien d'automatiser les tests à 100% depuis l'interface graphique. Ça ne sert à rien d'avoir une ambition de couverture complète des tests. Il faut cibler vos tests là où c'est le plus risqué, où c'est, ça a le plus de valeur. Okay. Donc, l'investissement pour un système legacy, il est d'abord sur les tests de bout en bout, au niveau de l'interface graphique. Si vous commencez à investir ici, j'en ai fait l'expérience, vous allez passer d'une couverture de tests en l'espace de 6 mois de 1% à 5%. Et puis 6 mois plus tard, vous allez être à 10%. Et puis 6 mois plus tard, vous allez être à 15%. Et je l'ai fait dans une organisation en 2009, où il y avait 3% de couverture de code par les tests unitaires. Et 3 ans après, ils étaient arrivés à 30%. C'est bien, ils avaient continué la démarche et tout, c'était fantastique. Ok, 30% de couverture de code par les tests unitaires, c'est quand même pas très satisfaisant. En plus, si vous n'avez pas de test unitaire, votre code, il ne faut pas se voiler la face, il n'est pas fait pour être testé unitairement. Donc il y a plein d'anti-patterns dans votre code qui vont faire que les tests unitaires que vous allez écrire vont vous coûter relativement cher. Donc vous allez devoir refactorer votre code, le remanier. Si vous remaniez votre code sans test, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Et donc vous allez peut-être, au lieu d'améliorer la situation, vous allez peut-être même l'empirer, la situation. Donc il faut commencer à se construire un filet de non-régression qui permette quand même d'attraper les bugs assez rapidement. Et là, malheureusement, une bonne stratégie, c'est de commencer par l'interface graphique et par les tests d'intégration. Avec Fitness, avec Cucumber, avec des outils BDD, par exemple, je vois Guillaume qui est dans la salle, au niveau des tests d'intégration. Et ensuite, investir sur les tests unitaires pour que vous puissiez vous développer un filet de tests de non-régression qui permettent d'attraper ces bugs-là. Sinon, vous travaillez sans filet. J'aurai une discussion avec toi, je pense. Alors ça, ça vient de l'expérience. On l'a fait dans l'exemple que je vous donne. C'était un grand site e-commerce, très très connu. Premier site e-commerce en Europe. On avait commencé par là. Et là, on voyait que en fait, la situation s'empirait. Leur code n'était pas du tout fait pour être testé. On a essayé de faire du test avec des BDD, des trucs comme ça. Ils avaient des grosses grappes d'objets qui étaient intestables. Il fallait paramétrer ou initialiser tout un tas d'objets si on voulait que ça marche. Ça prenait un temps fou. Et en plus, 2 minutes, on va y arriver. Ça prenait un temps fou et en plus, on allait introduire des régressions. On avait quand même un petit peu amélioré la situation hein, en faisant ça. Donc, il y avait quand même des bénéfices, mais c'était pas fantastique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, les testeurs, on va les ramener tous les jours. Ils vont tester les nouveaux builds à la main et puis tous les jours, ils vont essayer d'automatiser certains tests qui sont critiques pour essayer d'attraper les anomalies. Donc une fois qu'on a ce niveau de test-là, de filet de non-régression, on est capable déjà de commencer à agir au niveau des tests unitaires de manière un peu plus sereine. D'accord ? Donc pour conclure,
sur les tests agiles. Alors ça, c'était sur l'automatisation des tests. Pour conclure sur les tests agiles, je vais vous parler du... Vous connaissez le manifeste agile ? Qui le connaît ? D'accord ? Donc là, je ne vais pas vous présenter le manifeste agile. Je vais vous présenter le manifeste de Gilles, que j'ai écrit en... Ah, c'était facile. Merci. Merci. Le manifeste de Gilles que j'ai écrit en 2008 sur les tests agiles, un signataire, moi-même. Fantastique. C'est quelque chose que j'ai écrit en 2008 et pour un peu transmettre les valeurs du test logiciel, les valeurs modernes. Donc la première valeur, c'était le test est utilisé pour spécifier plutôt que pour trouver des anomalies. Quand David Evans vous disait un bug, c'est le symptôme d'un test manquant, c'est exactement ça. D'accord ? Quand vous faites du TDD, vous testez pas, vous spécifiez ce que vous attendez de votre code. BDD, c'est encore plus abouti, vous testez le comportement que vous attendez de votre code. Time over. Il nous reste encore 5 minutes ou pas ? Ouais, ok, 5 minutes et il reste un slide de conclusion après, c'est fini. D'accord. Donc tester pour spécifier plutôt que trouver des anomalies. La deuxième valeur, c'est tester en permanence plutôt que d'organiser des campagnes de test. Les campagnes de test, c'est vieux, on teste que à certains moments précis. Et le test en permanence, c'est vraiment l'agilité. Avec son serveur d'intégration continue, avec ses testeurs qui sont dans l'équipe agile, on teste en permanence. Et la troisième valeur, c'était partager la responsabilité des tests plutôt que spécialiser les testeurs. Il y a quelques années, le travail de test, on essayait de trouver les lettres de noblesse du travail de test. Donc on avait les automaticiens de test, on avait les spécifieurs de test, on avait les exécutants de test. Voilà, on avait toute une batterie, toute une armée mexicaine de différents profils de testeurs. Il faut arrêter avec ça. Tout le monde partage la responsabilité des tests. Les développeurs doivent tester, les testeurs doivent tester, le chef de projet doit tester. D'ailleurs, moi, je résumais ça avec une question assez courte que je posais à tout le monde. C'était, qu'avez-vous testé aujourd'hui ? Et si la personne ne me dit rien... Il n'a pas compris ce que c'était que les tests agiles. Donc tout le monde doit tester. Et ça doit être partagé. En conclusion, le retour sur investissement de l'automatisation des tests, ce n'est pas une fonction du temps. C'est une fonction du coût de votre non-qualité. Les pratiques de tests agiles tendent à réduire l'investissement nécessaire dans l'automatisation des tests parce que c'est des choses que vous faites de manière intégrée à votre process. Ce n'est pas la qualité que vous rajoutez à la fin. Donc ça va vous coûter moins cher. Et puis, si vous voulez investir dans l'automatisation des tests, mesurez le coût de votre non-qualité. Voilà, le petit slide dont Samir a parlé ce matin en plénière. Donc talk moins action égale shit. Ça commence demain chez vous. Ma présentation, c'est du talk. Les actions, c'est demain, enfin pas demain, lundi, chez vous. Merci à tous. Désolé pour le dépassement du temps.